fut un temps où les criminels étaient envoyés à Cayenne pour casser des pierres. Puis vinrent les nouvelles technologies, les call centers, plus communément appelés les centres d'appel. Pire que le bagne, il fallait désormais appeler les services clients, les hotlines. Qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague ! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ? Le calvaire ultime, pour trouver des numéros introuvables. Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Tapez sur les touches étoiles à répétition. Attendre, attendre encore, et attendre et encore attendre. Ils ne mouraient pas tous, non, mais tous étaient frappés. Émeute, famine, tous devenaient fous. Bonjour Mickey, si vous êtes satisfaite de votre message, faites le 1. Ah ben non, je suis pas satisfaite. Si vous voulez recommencer, faites le 2. Certains même voulurent assassiner Vivaldi. C'est alors que quelques ingénieurs éclairés décidèrent de libérer les bagnards. Sans armes, ni haine, coucou, ni violence. Ils leur proposèrent une application magique, Vitma Hotline, l'application qui permet de joindre les injoignables et d'être rappelé par ces mêmes injoignables. T'as compris ? C'est normal. Les bagnards et les autres redécouvrirent un plaisir essentiel, le temps libre. Vitma Hotline, 3 services. Un annuaire des services clients et services publics les plus demandés. Les meilleures plages horaires pour les joindre. Avec les appels zen du service premium, les centres d'appel vous rappellent même automatiquement. Vitma Hotline, plus fort que le Front Populaire, pour libérer les masses laborieuses.